Qu'est-ce qu'un flux en comptabilité ? En comptabilité, un flux désigne un mouvement d'entrée ou de sortie d'argent. Il existe différents types de flux en fonction de la nature de ses entrées ou de ses sorties. On peut par exemple parler de flux d'investissement, d'exploitation ou de trésorerie. En règle générale, pour calculer un flux comptable, on soustrait les dépenses aux recettes. La formule est donc la suivante : flux comptable égale recettes moins dépenses. On distingue les flux internes et externes. Les flux internes font référence aux entrées et sorties d'argent qui s'effectuent au sein même de la structure, alors que les flux externes sont des entrées et sorties d'argent qui dépendent de facteurs extérieurs comme des clients ou fournisseurs. À quoi sert un flux comptable ? L'étude des flux comptables sert à analyser la trésorerie d'une entreprise, ce qui contribue à évaluer la santé financière de l'entreprise en question. Le calcul des flux comptables permet donc de savoir si une entreprise est en déficit ou non. Quand les flux sont positifs, cela veut dire que la structure a suffisamment d'argent pour couvrir ses dépenses. Par contre, quand les flux sont négatifs, cela signifie qu'elle doit attendre des rentrées d'argent pour payer ses dettes. Les flux comptables sont particulièrement utiles quand une entreprise recherche des financements. Elle doit souvent les présenter aux banques et investisseurs pour les rassurer et les convaincre de lui accorder des fonds. En résumé, ils sont le reflet de la bonne ou mauvaise gestion comptable d'une entreprise. Quels sont les différents types de flux comptables ? Il existe différents types de flux comptables. Les flux d'exploitation, les flux d'investissement, les flux de financement, les flux de trésorerie et les flux de trésorerie disponibles avant ou après impôt. Il ne faut pas confondre ces flux, les flux comptables, avec les flux financiers, qui correspondent seulement à la somme des achats et des ventes d'une entreprise sur une période donnée.